position là, je peux reculer, je peux avancer, lui aussi d'ailleurs, et avec des petits pas chassés et des petits mouvements, des micro-déplacements, etc. Donc là on fait ce coup de poing là, le coup de poing avant. Alors je le fais là, sur le torse, hein, pour, parce que c'est pas dangereux quoi. Je contracte un peu les muscles ici là, le pectoral, je contracte un peu en serrant son coude, et je peux toucher un peu. Hop. Voilà. Donc de là, vous faites le coup de poing. Alors le coup de poing, si au départ j'ai la main ouverte, quand je donne le coup de poing, il se ferme et il tourne. Il tourne. Et il tourne jusqu'à ce que je touche. Hein? Donc à la fin, ça fait un petit. On n'est pas forcément dans cette position-là à la fin. Si je cherche le lipon, je vais peut-être aller un peu plus loin. Un peu plus loin, je vais gagner 10 cm. Hein? Donc je ne m'arrête pas ici. Je vais chercher un peu plus loin. Alors je change de côté à chaque fois parce que voilà, c'est bien. Donc bien relâché. Le poids passe ici et la hanche. La hanche tourne un peu. Alors bien sûr, le règlement m'autorise à donner le coup juste ici. J'ai le droit. J'ai le droit dans le règlement, il faut s'arrêter avant. C'est ici que j'ai plus le droit. Si je reste dans le cadre des règles tout à l'heure qu'on va mettre les gants. Si j'aime défendre, le plus efficace, ça serait de donner, par exemple, juste au niveau du menton. Là, ça serait pour se défendre. Dans le cadre du règlement, j'ai le droit ici. Non, ici, il n'y a pas tout ça. Alors, quand vous avez fait un peu ça, vous pensez à déplacer un peu le temps. Si je suis loin, j'avance, et je recule un petit peu. Bravo. Ça me perturbe quand je ramène. Et je pourrais enchaîner avec okay. Arriver au bout, c'est à l'autre. C'est chacun son tour. Les gestuels, c'est bon. Je sais pas si j'ai les gars. Allez-y.